Choisis la vie. Visiter. Tu profites de tes vacances pour bouger, t'oxygéner, avoir une meilleure hygiène de vie, mais aussi pour découvrir un environnement autre que celui dont tu as l'habitude. Certains aiment les visites organisées. Ils structurent leur temps et planifient leur activité. D'autres ont un sens plus relationnel et fantaisiste de la découverte. Qu'as-tu envie de visiter ? Des musées ? Des villes ? La campagne ? Un espace forestier ? Une forêt domaniale ? Une montagne ? Un château comme celui de Saint-Bernard de Menthon auprès du lac d'Annecy que tu contemples? Préfères-tu dormir à l'hôtel, chez l'habitant, sous une tente? Fuis-tu les ambiances citadines et apprécies-tu les paysages plus sauvages? Que vas-tu ouvrir en toi pendant ces vacances? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Est-ce que tu veux enrichir tes connaissances, te refaire une santé, emplir ton cœur d'émotions? Quelle sorte de visite vas-tu faire cet été? Iras-tu seul? Avec des amis? En famille? Avec des inconnus? De nombreux problèmes de couple viennent de ce que chacun a besoin de différence. L'un organise et planifie tout, tandis que l'autre a surtout envie de se reposer, de se laisser vivre. L'un veut visiter des édifices, alors que l'autre préfère les contacts humains. Pouvez-vous trouver un juste milieu ? Êtes-vous vraiment obligé de prendre toutes vos journées et toutes vos vacances ensemble? Ne serait-ce pas l'occasion de faire un pèlerinage avec les pères de famille, les mères de famille, avec des jeunes, un camp de scoutisme, un pèlerinage? Savez-vous combler vos besoins, chacun peut-être de votre côté, en ayant ensuite la joie de se retrouver? Qu'est-ce qui est essentiel? Quelle visite as-tu besoin? Peut-être celle du Seigneur? Une visitation personnelle? C'est l'occasion ou jamais de prendre peut-être un temps dans une église, une chapelle au cœur d'une montagne, un temps de louange avec le Seigneur devant la création ou en pleine nuit en contemplant les étoiles. Visite ce que tu aimes, visite tes frères et sœurs, visite des inconnus et laisse-toi visiter.